She's just a girl and she's on fire. Ouais, on commence peut-être, non? On peut faire la chanson, s'il te plaît. Ouais, vas-y. She's living in a world and it's on fire. All that a fantasy, you know, like I wear. Ooh, she's got my feel on the ground and she's burning it down. Ooh, I got her head in the clown and they're not coming down. This is good. Bon, finalement, on va commencer. Ah, bon, d'accord. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique de la projection bonus. Donc aujourd'hui on vous parle de Sous les joues des filles. Donc c'est un film français, c'est une comédie, c'est réalisé par Audrey Dana. Dedans vous pourrez retrouver Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Géraldine Nakache, voilà, Audrey Fleurot, Audrey Dana. Donc voilà, plein d'actrices françaises. Et ça dure presque 2 heures, c'est sorti le 4 juin 2011. Et donc on va vous faire la critique en 5 raisons, 5 minutes et pas de bande-annonce. Donc comme Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est un film qui dure à peu près 2 heures. Malheureusement c'était beaucoup trop long pour ce qu'il y avait dedans, puisqu'il n'y avait pas du tout d'histoire en fait. On s'est ennuyé pendant 2 heures. Pendant 2 heures on s'ennuyait. Donc c'est un film qui est vendu un petit peu pour donner une image de la femme moderne. Mais moi je trouve surtout que ça donne une image des femmes nymphomanes quoi, par 2 ou 3 qui cherchaient une histoire d'amour ou juste des amis. Franchement, elle pensait tous qu'au sexe, hein, et ça faisait passer les femmes pour des nymphomanes. Ouais, ça montrait une très mauvaise image de la femme, parce que soit elle était trompée, soit c'est elle qui est trompée, enfin, s'il y avait que des surprises. Soit elle avait pas d'amis. Voilà, c'est pas cool. C'était pas... Ouais, la femme, elle est pas, je trouve pas mise en valeur dans le film. Du tout. All the leaves are brown. En fait, c'est l'histoire de plusieurs femmes qui ont chacune leur propre histoire, donc on dirait un petit peu voilà, des courts-métrages en quelque sorte. Qui pourraient être différents. Mais point positif, c'est que elles ont des liens et elles se rencontrent au bout d'un moment. Ouais, elles sont toutes entremêlées, les histoires se croisent, voilà, tout ça. C'est ça, donc c'est par exemple, dans un restaurant, on va arriver dans un restaurant avec une histoire, on va repartir du restaurant avec une autre histoire. Avec une autre histoire qui est juste à côté, etc. Enfin, ouais. Donc ouais. C'est la seule donc, chose. Donc à la fin, tous les personnages se connaissent et c'est pas mal. Donc c'est censé être une comédie, sauf que finalement il y a vraiment rien de drôle dans le film. Il y a peut-être 2-3 blagues qui nous ont fait rire, qui nous ont décroché des sourires, mais honnêtement je pense qu'on a plus rigolé parce que les blagues étaient attendues et nulles. C'est plus moqué du film. Ouais, que rigoler parce que ça faisait des blagues drôles quand même au final. Donc ce film n'était pas rigolo, mais en plus il était vachement vulgaire. Par exemple, au début, bah, ça commence avec une scène où t'as une femme qui pleure, on apprend qu'elle a ses règles et elle se met le tampon devant nous. Donc c'était pas très classe et il y a plein de choses après, comme ça parle que de cul, forcément c'est vulgaire à un moment. Pas de subtilité du tout. C'est ça. Ouais. Donc c'est fini. Donc, je pense que vous l'avez compris, on l'a pas aimé. Non. Moi je mets 3 et tu mets 2, c'est ça, voilà. Donc en fait, c'est le film. Sur 10, hein. Sur 10, ouais, sur 10. Non. C'est un des films les plus nuls qu'on ait vu en fait. C'est pas un film à aller voir en famille, ça, je pense qu'avec vos enfants vous auriez... Ouais, on peut pas dire que c'est une comédie, ils ont mis ça dans comédie mais c'est parce qu'ils savaient pas où mettre, mais c'est pas drôle du tout. Donc voilà, donc c'était notre 10e critique, ouais. Et notre dernière de l'année scolaire, parce que maintenant on a le bac, ouais, on a les vacances aussi. C'est donc on vous abandonne pendant les vacances, et on vous retrouve à la rentrée avec des nouveautés. Si on a des nouveautés. Bon, d'accord, elle a oublié, mais on a des nouveautés, on y avait pensé en plus. Ouais. Et donc voilà, donc bonnes vacances, allez au cinéma pendant les vacances. Moi je vous conseille, je sais pas, mais moi j'irai voir les Gardiens de la Galaxie, ça c'est sûr. Il a l'air pas mal. Et il y a Dragon 2 aussi qui sort le 2 juillet. Donc, bonnes vacances. Alors, et comme d'habitude, on partage, on aime, ça va. Ouais. Voilà, bonnes vacances.